developed by Ford, Formula One's most successful team. Hitachi. Elf Oil, world champion. And Goodyear. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le Grand Prix d'Allemagne. Alors comme vous pouvez le voir, on part en fond de grille tout simplement parce que le jeu crash quand je suis en essai en qualif. Donc on est obligé de partir dernier, j'ai pas le choix. Et puis ce qui est marrant, c'est que le McLaren devant moi aussi fait une mauvaise qualification. Et c'est pareil pour une des Williams. Donc c'est parti, ça va être compliqué, c'est un circuit assez rapide où les moindres erreurs vont être fatales. Et j'espère que j'aurai assez de vitesse de pointe, donc c'est parti. Alors évidemment sur le départ, je me loupe un peu, et en plus je vous ai pas dit mais la piste est mouillée. Ouh, il y a un carton devant. Oh, il y a un énorme carton là, on a une Sauber qui est dans les choux. Oh, il y a un énorme carton devant aussi. Oh là là, regardez-moi ça, toutes les voitures qui sont dans la piste et nous aussi on s'est touché. Oh là mon dieu, c'est pire carton comme en vrai hein. C'est comme en 94, il y a eu un énorme départ avec un énorme carambolage, là on l'a eu finalement. On fait extrêmement gaffe parce qu'on n'a pas du tout des pneus pluie, vous en rendez compte là. Et je compte sur le fait que la piste s'assèche pour pouvoir faire mieux après. Et on est quatrième. Quatrième sur 28, on a gagné 24 places. Alors évidemment au freinage c'est pas trop ça, c'est difficile à gérer. Il y en aura seulement 9 tours à faire, c'est pas beaucoup. Et on a des pneus slick hein, comparé aux équipes qui sont en pneus mousson. Et du coup on les rattrape assez facilement. Oui, il reste sur la partie mouillée, hein, ce qui n'est pas mon cas. Je vais rester sur la partie assez sèche. D'ailleurs, on a une Sauber qui est en troisième position. Là, c'est De Cesaris qui n'a pas manqué un seul point de la saison.
Voilà, pour le moment, c'est le bon choix pneumatique, j'ai l'impression. Panis qui est deuxième. D'ailleurs, en 94, le résultat de la course avait été assez particulier. C'était Berger qui avait gagné, hein, avec les deux Ligiers en deuxième et troisième position, ce qui est un peu pas le cas ici. Il y en a Schumacher, ou là, je l'ai pas vu. Il est en train de rattraper Schumacher énormément. Alors ce qui est marrant, c'est que la voiture tangue d'un côté, hein. Si je suis sur la pluie à cheval sur le sec. J'ai pas trop regardé les pneus qu'ils avaient, mais je pense qu'ils sont un peu mousson. Hein. On va essayer de rattraper le Schumacher. Voilà, en vitesse de pointe, on est beaucoup plus rapide. C'est le bon choix, hein, j'ai l'impression, cette stratégie-là. Alors, ils ont quoi comme type de pneus? Et ils sont un peu moussons, hein, c'est bien ce que je pensais. On le voit au niveau des stries. Allez, Schumacher, là. Et il se décale, hein, il n'a pas envie que je passe. Top au freinage, évidemment. On est en bien position. Et voilà, les pneus moussons qui étaient totalement mauvais choix. Bah là, pour une fois, on s'en sort bien. En plus, 28 voitures en piste, enfin, ce qu'il en reste. Ah bah ouais, ils vont s'arrêter au stand, hein. Je suis complètement loupé. Ah, c'est pas facile, hein, parce que ça glisse pas mal. Donc ouais, résultat assez particulier dans la vraie course. Il y avait donc le carambolage au premier virage. Et il y a Kinen du coup qui était considéré comme fautif, en tout cas sur une partie du carambolage, avait du coup été coupé d'une course de suspension. Et du coup, on a pu avoir. Alors, j'ai pas trouvé son nom. Enfin, peut-être français en plus. Il me semble. Ah, ça me revient plus. C'était l'information importante à retenir de cette course en vrai, et je m'en souviens plus. Ouais, c'est un pilote français, hein, il me semble. Qui d'ailleurs avait fait une course, du coup. Je crois que ça va me revenir d'ici là. Donc ça arrête tous au stand, tous ont fait l'erreur. Bah, du coup on profite, hein, on se retrouve en tête. Alors j'ai pas trop regardé le top 6, mais j'imagine que les positions sont pas mal chamboulées. Et ouais, là c'est quasiment sec. Hein. Derrière on n'a pas d'eau du tout. Ah bah ça me rembourse limite mes passes perdues de la dernière course. Ces virages-là, il faut faire attention, pas faire une VTL. Désolé pour lui. On a d'ailleurs assisté à une très bonne course en Angleterre, là, dans la F1 actuelle. Pas mal de dépassements, c'était pas mal de batailles surtout, ça c'était vraiment cool. Cette Tyrrell au milieu. Je m'en reste à 24 secondes. Alors il y a retard à terre, ça va être un peu plus embêtant. Ah bah oui, il y en a en moins, donc effectivement ça va moins bien marcher.
Oh, c'est incroyable quand même. On a mis 27 places sur ce Grand Prix. On a même une Williams qui est complètement à l'agonie. Ah, mais elle est restée en pneu peu mousson. C'est assez bête d'ailleurs. Et moins coéquipier aussi. Ah, mais ils ont pas d'aileron. C'est pour ça. Une Minardier avec les Pémoussons et un aileron au moins, donc c'est pour ça. En fait, la situation lente, c'est à cause de ça. Et allez-y, hein, qui est deuxième maintenant, qui a récupéré la place sur Schumacher. C'est bon pour nous, hein, parce que du coup, on se retrouve avec deux places d'écart, et pas une seule. Alors, pour une fois que la qualif ne m'est pas profitable du tout. Alors pour les écarts, pour l'instant, vu que vous les avez pas, on est à 33 secondes d'Alesi qui est deuxième. On a fait un tour en 1,57, ce qui est vraiment vraiment énorme, c'est limite, on est à Spa-Francorchamps. C'est quand même, hein. Je comprends pas pourquoi Liane s'arrête pas par contre. Hein. Là, celle-là, elle avait pas de problème mécanique. Et comme toujours, notre ennemi principal, c'est nous-mêmes. Ah, Schumacher s'arrête au stand. Il nous reste 5 tours à faire. Olivier Panis s'arrête au stand. Voilà par exemple. Ah, ça ferait du bien une petite victoire quand même. Surtout si Schumacher ne termine pas deuxième. Et bah, je pense que ça va pas être le cas parce que Jalizy a perdu son aileron. Alors non, je suis pas à fond du tout. Hein. Quand la trajectoire est assez, assez réduite. Ce sera une course assez rapide, hein, vous aurez compris. On a Alboreto deuxième sur la Minardi, mais incroyable. Bon, 54 secondes de retard, mais... Alors pour vous rassurer, je n'ai que la personne derrière moi, hein. Je n'ai pas le top 6. Sinon, ça ferait longtemps que vous citerez le top 6 en continu. Ça y est, ils vont enfin changer vraiment les pneus. Le classement final risque d'être assez surprenant. C'est étonnant parce qu'ils passent tous à droite de la trajectoire et finalement la trajectoire sèche est celle du milieu quoi. C'est quand même bizarre. Ou j'ai entendu Schumacher. Schumacher je crois ne rentre au stand, ou s'arrête, il a moteur cassé. Oh ça peut-être être le tournant. Pas le tournant du championnat mais...
Il y a encore un drapeau jaune. Alors ceux qui s'arrêtent sont en quel ils font n'importe quoi, hein, l'IA fait. Alors vraiment du mal. Bon bah c'était pas la bonne solution. Alborito, 1 minute 13 de retard sur moi. Alors ce qui serait dommage, ce serait que la Minardi se plante comme elles se sont torpillées à Monaco. Bon, ils avaient de gros points. Même si nous aussi on s'est torpillé au passage. Mais bon, on s'est fait torpiller dans l'instant. Là par exemple, c'est une course où on aurait dû vraiment marquer de gros points. C'est quand même en prix de Monaco. Alors attention, tête à queue, une voiture qui est à l'extérieur, je la vois. C'est une Minardi d'ailleurs. Non mais c'est une blague, ils sont tous encore restés en plus. Il y en a un au moins pour, je crois que c'est Alesi ou Berger. C'est pas Schumacher d'ailleurs. Ouvert Verstappen qui rentre dans les stands. Alors on va voir le classement, même s'il risque de pas se mettre à jour vraiment. Le classement vous l'aurez pas je pense, parce que comme il y a 1 minute 20. Ah c'était Schumacher qui était au stand, donc il est assez loin. Il va être strangulé dans le peloton. Il a fait 3 arrêts, on a compris. Ah là là, ce spotter quoi. Alors Alboreto est toujours deuxième, c'est la question que vous la posez. 1 minute 29. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu la grille de départ, la livrée de la Minardi a un petit peu évolué. Il y a beaucoup plus de jaune dessus. Et ils vont vite quand même, hein. Une de pointe. C'est vraiment au freinage qu'on les rattrape d'un coup. Ça, c'est le Barrichello, ouais, je pense. Oula, attention. Bon, en tout cas, si on gagne, ce sera pas la plus belle victoire. Ce sera une victoire sur la stratégie, hein, sur tout ça. Alors est-ce qu'on va mettre un tour à Alboreto? Il est 1 minute 36. Donc c'est possible. Il faudrait que je récupère 10 à 15 secondes. Ah, Minardi, on va tomber. Ah bah là, la Minardi, j'ai l'impression, non ? Ouais, la Minardi est devant, je crois.
Ah, c'est ça, c'est le Boreto. Donc du coup, bah voilà, il a un tour maintenant. Bon voilà, on pourrait dire merci à l'IA. Autant l'IA sur le Grand Prix d'Angleterre était plutôt correct, autant ici là elle était complètement échouée. Et bien du coup on va remporter le Grand Prix d'Allemagne, alors c'était pas la plus belle victoire, mais bon, c'est une victoire quand même, hein. Écoutez, on va pas cracher dessus. D'ailleurs il y a une Ferrari qui est devant nous qui repart avec l'aileron arraché, ouais, alors ça c'est complètement débile, je comprends pas du tout. Et du coup ben, on devrait avoir le Boreto normalement deuxième, donc podium pour Minardi, hein, carrément. Comme d'habitude vous verrez le classement final. Sous la vidéo hein, en photo, parce que je pense que ça va cracher comme d'habitude. Je sais pas pourquoi ça crache d'ailleurs. Hein. Ça sauvegarde, je pense qu'il doit y avoir un truc qui est pas bien mis ou. Ça a craché au bout de la 3e-4e course, mais j'ai pas de raison à ça. D'ailleurs, mon ami Kickpick qui est en face. Alors, je sais pas s'il va attendre jusqu'au bout. Que la voiture passe ou pas, je sais pas du tout. Ça me permet de voir ce beau circuit hein, qui est quand même vraiment plus intéressant que le nouveau. Même si le nouveau encore il y a pas mal de batailles, mais la version longue quand même est beaucoup plus fun. Bon voilà, je pense que c'est terminé. On va enfin passer à la suite. Ah enfin. Enfin la fin. Ce Grand Prix d'Allemagne n'a pas failli à sa réputation. Voici le classement à l'arrivée. Eh ben écoutez, classement final plutôt original. Hein. On est premier, on met un tour à tout le monde, on est plus que 11 à l'arrivée. Verstappen n'a pas pris feu, sûrement grâce à l'eau dans les stands. Oui, parce que je n'ai pas parlé aussi, le grave accident, enfin, oui c'est grave, ça a vu, de Verstappen avec la Benetton qui prend feu sur ce fameux Grand Prix. Donc Michele Aboreto deuxième sur la Minardi qui va marquer 6 points, donc c'est pas mal pour lui. Rubens Barrichello mine de rien qui continue d'être là avec, sur le podium troisième. Herbert qui va marquer je crois les premiers points de Lotus en étant quatrième. Schumacher finit cinquième quand même, c'est plutôt une bonne performance après ce qu'il avait fait. Et Cesaris marque un point pour Sauber, donc Sauber marque aussi un point. On a Jean Alesi donc septième, Morbidelli, regardez il reste plus personne. On a des accidents à la fin. Mon coéquipier, ben il a pas fini. Si, il a fini normalement. Il était encore en piste. Non, il a fini, mais il est à deux tours. Et on voit que derrière, accident, boîte, ouais, c'est pas trop ça. Et les premiers à avoir abandonné, c'est Katayama. Ben, on a vu, hein, Katayama au départ, il était sur le bord de la piste. Alors, je vais pas pouvoir montrer les résultats tout de suite, puisque le jeu va crasher, comme vous le savez. Donc, je vais quand même continuer. Mais normalement, voilà. Donc, je pense qu'on va peut-être reprendre la tête du championnat. Je pense. Au pire, de toute façon, vous allez avoir la suite directement. Je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Je pense que ça va être le Grand Prix de France, on l'a déjà fait. Donc le Grand Prix d'Hongrie, normalement, si tout se passe bien. Allez, à la prochaine. Ciao tout le monde.